vous pouvez devenir millionnaire grâce à Fortnite. Et c'est pas du tout une blague. MrBeast, le plus gros youtubeur américain même du monde, c'est le plus gros youtubeur du monde, a fait une collaboration avec Fortnite. Et il a sorti sa toute nouvelle map créative, MrBeast Extreme Survival Challenge. Il y a $1 million à gagner pour celui qui fera le meilleur score. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la map, je vais vous dévoiler quelques petits secrets pour avoir plus de points et faire le meilleur score possible sur la map. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez bien tout comprendre. Vous avez tous chacun la chance de devenir millionnaire. La chance, ça va pas se présenter deux fois les gars, donc je vous conseille de bien écouter et de bien ouvrir vos oreilles. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir dans l'onglet compétition sur Fortnite le défi de survie extrême de MrBeast qui aura lieu le 17 décembre du coup. Et quand on va dans les prix et récompenses, vous pouvez voir que le premier gagne $1 million et le top 100 000 recevra le parapluie épique de MrBeast. On le voit d'ailleurs sur l'écran de chargement, il est en bas à droite de l'image. Pour jouer à la map, vous faites comme si vous vouliez lancer une game normale, vous cliquez sur le menu et ça va être la toute première que Epic va vous proposer. Mais comment fonctionne la map? Le plus important, vous allez arriver à cet endroit. Cet endroit, c'est l'endroit dans lequel vous êtes téléporté après chaque mini-jeu. Vous allez avoir 6 mini-jeux. J'ai parlé un peu trop vite en fait. Il y a 7 mini-jeux au lieu de 6. Et dans ces mini-jeux, vous allez avoir deux manières de récolter des points. La première, c'est de récolter des pièces dans ces mini-jeux. Et la deuxième, c'est de finir dans le top 3. Le top 1, le top 2 et le top 3 reçoivent des points bonus. Le premier mini-jeu, ça va tout simplement être un labyrinthe. Il va falloir trouver la sortie. Au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez voir, ça va vous paraître assez instinctif. Vous allez vite trouver la sortie au fur et à mesure de voir le labyrinthe, de le refaire. Je vous donne une petite technique. Le plus intéressant dans ce mini-jeu, c'est pas de récolter les pièces, mais c'est surtout de terminer premier. Donc d'être le premier, soit le deuxième, soit le troisième en gros, mais le premier c'est toujours plus intéressant, à sortir du labyrinthe. Le deuxième mini-jeu, ça va être un dropper. Vous allez devoir tomber dans le dropper, toucher le fond sans toucher aucun rebord, sinon vous allez être re-tp en haut. Et bien sûr, les trois premiers, encore une fois, reçoivent des points bonus. Et pour ce mini-jeu, les gars, petite technique, faites gaffe à là où vous spawnez, parce qu'en fonction de là où vous spawnez, il y a des endroits qui sont beaucoup plus simples à atteindre que d'autres. Il y a un côté d'ailleurs qui est limite impossible quand vous spawnez au dropper, alors que tous les autres, ils sont plutôt simples. Je vous conseille de direct rush et de, en fait, d'y aller au feeling. Vous allez encore une fois être habitué à tomber dans le dropper et à chaque fois, vous allez connaître les chemins, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure de refaire, les gars. C'est beaucoup, beaucoup de répétitions, les gars, cette map. Troisième mini-jeu, les gars, ça va être une sorte de fall down. Faut pas tomber en bas. Vous allez avoir plusieurs plateformes, plusieurs étages à chaque fois. Et il faut rester le plus longtemps sur les plateformes. Si vous restez 30 secondes, vous gagnez. Et à chaque fois, vous avez des petites pièces. Là, encore une fois, par contre, c'est intéressant de les récupérer. Petite technique là, à ce niveau-là. Quand vous voyez, par exemple, qu'il vous reste 5 secondes et que vous êtes au niveau de la deuxième plateforme, n'hésitez pas à aller récolter les pièces, les gars. Récoltez les pièces parce qu'au pire, au pire du pire, vous arrivez à la première plateforme et vous êtes safe. Et en plus de ça, vous avez pu récolter les pièces, ça va vous faire 200, 500, peut-être 1000 points en plus, les gars. 1000 points, c'est énorme. À la fin, sur le score final, les gars, ça fait la différence. Pour le quatrième mini-jeu, vous allez devoir trouver une mallette remplie d'argent que MrBeast a caché sur l'île. Pour ça, les gars, je vous affiche une petite carte ici, les gars, petit. C'est cadeau. Qui vous montre la localisation de toutes les différentes mallettes sur l'île, c'est-à-dire tous les endroits où cette mallette peut spawn. Vous allez spawn, bien sûr, aléatoirement sur la map, c'est-à-dire que vous savez pas où est-ce que vous allez être, vous savez pas où est-ce que la mallette se cache, du coup. Mais en connaissant les lieux de spawn de la mallette, vous allez directement pouvoir éliminer certaines options rien qu'à vue d'œil. Ok, là-bas, il n'y est pas, là-bas, il n'y est pas, là-bas, il n'y est pas. Je vais aller voir là-bas. Du coup, vous allez augmenter vos probabilités de trouver la mallette. Et bien sûr, encore une fois, dans ce mode de jeu, c'est l'ordre dans lequel vous allez trouver la mallette qui va importer. Si vous êtes le premier à trouver la mallette, vous allez gagner plus de points que le deuxième, que le troisième, etc. À partir du quatrième, vous n'avez pas de points, les gars. Et petite technique aussi, les gars, je vous rajoute. Quand vous avez récolté la maille, n'hésitez pas à aller récolter les pièces en plus que vous avez trouvées dans le phare et également sur le petit bateau avec le gros paquet de billets. Il y a une troisième pièce à la petite maison, tout à droite de l'île. Vous devez monter sur le petit panier au-dessus de la petite maisonnette et vous allez avoir une petite pièce aussi là-bas. Très important, si tout le monde, là les gars, je vous donne des petites techniques, les gars, que j'ai référées au fur et à mesure de jouer. Utilisez-les parce que ça va être très important. Si vous êtes le dernier survivant, les gars, au niveau de cette étape, n'hésitez pas à aller d'abord récolter les pièces. Imaginez, vous voyez la valise, n'allez pas l'ouvrir directement. Attendez, allez récolter les pièces d'abord, comme ça, ça vous fait des points bonus. Et ensuite, allez récolter la mallette. Dès lors que vous aurez ouvert la mallette, vous allez avoir 3 ou 4 secondes et vous allez être re-téléporté. Donc autant avoir des points bonus, donc c'est-à-dire prendre les pièces, etc. Vous pressez pas, vous avez 30 secondes. Si vous avez trouvé la mallette, prenez d'abord les pièces et ensuite allez ouvrir la mallette. Dans tous les cas, vous allez être premier si tout le monde est mort. Cinquième mini-jeu, 1, 2, 3 soleil, inspiré de Squid Game, les gars. Red light, green light. Quand la lumière elle est verte, vous devez courir et avancer. Quand la lumière elle est rouge, si vous bougez, vous êtes re-téléporté au début de la course. Petite technique encore une fois, les gars, je vous la donne. Au moment où vous êtes téléporté au mini-jeu, les gars, juste avant d'être téléporté, n'hésitez pas à déjà commencer à courir parce que ça va être quelques secondes de gain. Et dès le début du jeu, MrBeast il vous dit que la lumière elle est verte. Ça veut dire que vous pouvez d'ores et déjà commencer à courir. Donc courez dès le début, les gars, courez dès le début. Vous allez gagner peut-être une ou deux secondes sur le mec qui est à votre droite, mais c'est une ou deux secondes là, les gars, elles vous sont précieuses. Encore une fois, vous avez des pièces à cet endroit là. Si vous pouvez les récolter, récoltez-les. Mais la priorité, les gars, dans la plupart des mini-jeux, c'est de finir premier. Finir premier, les gars, ça vous garantit
tellement de points, les gars, que c'est trop important de finir premier dans les mini-jeux. Si vous pouvez récolter des pièces en même temps, c'est bien. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Finir premier, c'est la priorité. Les derniers mini-jeux, c'est le cercle rouge. Vous allez spawn sur un gros cercle rouge avec un cramponneur. Et cette zone-là, au fur et à mesure du temps, elle va se rétrécir. Et il y aura plein de pièces à récolter, les gars. Donc je vous conseille de beaucoup bouger dans tous les sens pour récolter toutes les pièces, de pas rester uniquement immobile à un endroit. Et il y a beaucoup de joueurs qui le font, mais n'utilisez pas votre cramponneur. Utilisez-le uniquement si vous sortez de la zone. Parce que oui, au milieu du cercle rouge, il y a des bots qui vont envoyer des grenades répulsives et des grenades jolies. Ces grenades répulsives, elles vont peut-être vous sortir de la zone, les gars, c'est assez aléatoire. Soit vous avez de la chance, soit vous avez pas de la chance. Utilisez votre cramponneur uniquement lorsque vous sortez de la zone. Lorsque vous êtes au milieu, ça sert à rien de spam le cramponneur, les gars. Vous allez juste perdre du temps, vous allez louper des pièces. Enfin, il n'y a rien de positif en gros. Quand vous êtes au milieu, marchez normalement, courez normalement. Quand vous sortez de la zone à cause des répulsifs, n'hésitez pas à utiliser votre cramponneur. Les gars, c'est là que ça va gagner des points. Et pour ce mini-jeu-là, il n'y a pas de finir premier, deuxième ou troisième. C'est uniquement celui qui récolte le plus de pièces qui gagne le plus de points. Et celui que j'ai oublié, c'est celui de la lave. Bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose à savoir. Le sol, c'est de la lave. Faut juste pas que la lave vous touche. Vous devez monter, escalader les blocs, monter tout en haut. À cet endroit-là, il y aura une grosse pièce qui va vous attendre. Si vous la prenez, vous avez beaucoup de points bonus. Et après, vous pouvez aller récolter les autres pièces. Mais si vous tombez dans la lave, vous avez perdu et vous perdez beaucoup de points. Maintenant que les mini-jeux sont décrits, sachez que vous ne pourrez pas prédire leur ordre, c'est-à-dire que si vous allez dans une game, par exemple, vous allez avoir le labyrinthe en premier, vous allez avoir le dropper en deuxième, alors que si vous allez dans une autre game, vous allez avoir le 1, 2, 3 soleil en premier, et ensuite vous allez avoir la zone rouge. C'est totalement aléatoire, les gars, l'ordre des mini-jeux est totalement aléatoire. Maintenant, la particularité de la map, c'est qu'à la fin de chaque mini-jeu, vous allez être re-téléporté au centre de la map, dans une zone où il y aura plein d'hexagones, donc des roses et des bleus. Vous allez pouvoir récolter 3 types de pièces, des pièces qui valent 225, des pièces qui valent 555, et des pièces qui valent 1000. Le but, c'est de perdre le moins de vie possible. Vous commencez avec 1000 HP, au fur et à mesure des mini-jeux, vous allez perdre de la vie. Le but, c'est d'en conserver le plus possible. Vous allez avoir plusieurs manières de perdre de la vie. Si vous tombez dans l'eau, vous allez perdre en fonction du temps du mini-jeu, plus ou moins d'HP. Au début, ça va être 25, ensuite 50, ensuite 100. Plus vous allez avancer dans la game, plus ce qui vous fait perdre des HP vous en fera perdre de plus en plus. Vous allez avoir des zones rouges qui vont passer d'un côté à l'autre. Sachez que ces zones rouges, quand elles passent d'un côté à l'autre, les gars, imaginons, elles vont de gauche à droite. Il n'y en a aucune qui va venir de droite à gauche. Ce n'est pas possible. Elles vont soit venir de gauche à droite, soit venir de droite à gauche. Les deux, c'est impossible. C'est-à-dire que vous allez devoir vous concentrer sur un seul côté et éviter de trop vous retourner toutes les deux zones parce que sinon vous allez vous prendre des zones rouges, vous n'allez pas les voir arriver. Et troisième, vous allez avoir des sortes de gros bâtons comme ça là, qui ressemblent un peu à une équerre, qui vont passer encore une fois d'un côté à l'autre. Cette fois-ci, ça peut venir des deux côtés. Donc là faut faire attention et restez jusqu'à la fin les gars parce que j'ai encore plein de petites techniques que je vous ai pas encore dites pour gagner le plus d'HP possible ou du moins en perdre le moins possible. Vous pouvez aussi avoir des explosions de bombes ou bien des éclairs qui vont taper la zone au milieu. Dans ce cas là faudra pas être dans ces zones là parce que sinon soit ça va vous éjecter, soit ça va vous faire de gros dégâts et c'est pas du tout ce qu'on veut. MrBeast va aussi vous faire une sorte de jacadie, soit il va vous demander de vous accroupir, soit il va vous demander de faire une émote. Donc n'importe quelle émote les gars, on s'en fout du moment que vous en faites une. Il peut aussi vous demander d'aller danser sur la piste de danse. Sachez qu'elle est à deux endroits uniquement. Je vous conseille de rester près de ces endroits là au cas où ça arrive parce que ça peut vous enlever 50 HP si vous n'allez pas faire l'émote justement sur cette piste de danse. Et beaucoup ne le savent pas parce que je vois beaucoup en game rester sur la piste de danse. Les gars, vous allez sur la piste de danse, vous faites votre émote, vous revenez, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de rester sur cette piste de danse les gars. Vous allez avoir deux manières de gagner de la vie. Soit vous allez avoir des sortes de packs de heal qui vont spawn donc au niveau des zones bleues. J'en ai jamais vu spawn au niveau des zones roses, donc pour moi c'est qu'au niveau des zones bleues. Vous êtes le premier à l'avoir, vous êtes le premier à gagner des HP les gars. Deuxième option, à des moments aléatoires, MrBeast va vous permettre d'aller dans l'eau. C'est à ces seuls moments là les gars qu'il faudra aller dans l'eau. Vous allez avoir que 4 ou 5 secondes pour y aller, c'est très très court. N'hésitez pas à y aller quand il est nécessaire de gagner des HP, quand vous n'êtes pas full par exemple. Vous sautez, vous retombez, tac, direct. Maintenant que tout ça est dit, sachez qu'au fur et à mesure des mini-jeux, au fur et à mesure que la game avance, tout ça s'accélère. C'est-à-dire que les zones elles vont bouger de plus en plus rapidement, vous allez perdre de plus en plus d'HP. Imaginons si vous tombez dans l'eau, faites pas une émote, etc., etc. Alors maintenant les gars, je vais vous donner mes petites techniques. Alors au début de la game, quand ça commence, n'hésitez pas à vous sacrifier quelques dizaines, voire cinquantaines d'HP. On s'en fout. Ça se regagne hyper facilement, vous allez soit aller dans l'eau, soit vous allez aller récolter un petit cœur vert. Ça vous enlève presque rien au début et ça vous permet de gagner des points qui sont super super importants. Imaginons MrBeast vous met la zone au milieu, vous savez où vous devez rester pour pas perdre de vie parce que si vous allez dehors vous perdez de la vie. N'hésitez pas à y aller si vous voyez une pièce de 1000, n'hésitez surtout pas si vous êtes en début de game du moins. C'est hyper worth, c'est 1000 points les gars, c'est énorme. Lorsque vous allez avoir les équerres rouges qui vont arriver vers vous, les gars, ce que je vous conseille c'est de rester uniquement focalisé sur un seul côté. Commencez pas à regarder devant, derrière et à chaque fois que vous allez sauter au-dessus de l'équerre rouge, allez de l'autre côté. Ça vous permet de revoir l'autre équerre qui va arriver dans l'autre sens et de pas être surpris dans le cas où elle arrive derrière vous. Donc en gros la technique c'est quoi? Vous regardez l'équerre en face de vous, vous la sautez et vous allez sur l'autre, tac, directement. En gros vous séparez votre jeu en deux. À un moment vous allez avoir des bumpers qui vont apparaître. On dirait que c'est fait pour vous foutre dans la zone. Alors de base je pense qu'ils sont faits pour vous foutre dans la merde, c'est à dire vous vous balancez dans les zones, vous balancez dans les écarts, vous balancez dans l'eau. Sauf que oubliez pas,
que ça vous fait pas de dégâts, juste ça vous repousse. Utilisez-les par exemple si vous voyez une écart arriver sur vous, vous vous barrez, vous sautez sur le bumper, vous vous barrez. Ou bien si vous voyez, je sais pas moi, une zone rouge qui arrive vers vous, vous allez sur le bumper, hop, vous traversez au-dessus de la zone. Utilisez-les les gars à votre escient. C'est pas forcément des ennemis, ça peut être vos alliés si vous les utilisez bien. Moi les gars, pour le moment, mon score il est de 100 000. J'ai pas énormément travers de la map les gars. Je pense pas que je vais gagner les 1 million de dollars, hein, qu'on soit franc. Mais en tout cas, j'y vais y participer les gars, je vais essayer de faire de mon mieux. Le tournoi c'est le 17 décembre de 18h à 21h. Celui qui fera la meilleure partie, donc le meilleur score durant ces 3 heures, donc il y a une seule partie qui sera retenue, hein. La partie dans laquelle vous aurez fait le meilleur score gagnera 1 million de dollars les gars. Dites-moi qu'est-ce que vous feriez avec 1 million de dollars les gars si vous les gagnez. Moi je pense direct j'achète une voiture, une bonne grosse voiture et plein de V-Bucks. Oubliez pas le code UMSK dans la boutique et sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance à tous et que le meilleur gagne.